Should have seen it coming. It didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. My name is Sheva Alamar. Job to do, and I'm gonna see it through. What do you know about Ouroboros? Irving! He got away. Et on voit ça reste la peau entre les deux yeux. Ou pas. Ah bah non. Oh, il est beau. En tout cas, là, il t'a sauvé la vie. Now, Sheva, you must continue your search for Irvin. According to the data we retrieved from the hard drive, we believe he has moved on to the mining area. Eh bien bonjour à tous, c'est Flappy Boy 54. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de Resident Evil 5, toujours en compagnie de notre cher ami Starcade. Hey, me vis pas comme ça toi. Oh, je sais que j'ai des parties très intimes, sexy, mais quand même quoi. Me vis pas comme ouais. Ça, petit pervers. Bonjour, ici Starcade, j'espère que tu vas bien mon cher Chris. Très bien. Je suis beaucoup en ce moment, qu'est-ce qui t'arrive? Beaucoup d'action, et puis bon, évidemment, à côté de moi... Le sex appeal de la pauvre Sheva. Donc je prends ou tu le prends? Vas-y, prends, serre-toi. Je combine tout de suite d'ailleurs. Moi j'ai un spray, par contre il y a des munitions là aussi. Ah, je peux combiner, donc c'est raté. T'as des munitions? Je prends. Allez hop. Prends les munitions, serre-toi. Je vais en prendre un petit peu. Il y a un document sur la table devant toi si tu veux le lire. Ah, qu'est-ce qu'il y a comme document ici? Alors il nous faut de la lecture maintenant. Ah là là, c'est jeu. Plagas de type 2. Ah oui. Comme l'indique le document précédent traitant du même sujet, les plagas originelles furent découvertes dans une région reculée d'Europe. Après un délai d'incubation dans l'hôte, le parasite prend le contrôle du système nerveux central du sujet, asservissant celui-ci à un autre individu. Etc, etc. Ok, bon. L'épisode précédent, le petit résumé. Eh ben, j'ai envie de dire qu'on a découvert que il y avait tout simplement une personne que Chris connaît. Oui, Irving, c'est ça, non? Irving, hein. Mais aussi un autre personnage qui est censé être son ancienne coéquipière. Ah bon? Ah, je savais pas, ça c'est du spoil, hein. Oh là, tu m'as spoilé. Ah. Et ben, c'est ce qu'on a vu dans l'épisode précédent. Ah oui, la fameuse dame avec les talons, c'est ça? Voilà. Et là, on est toujours dans le bunker Alpha, hein, si je me souviens bien. Ouais. On vient d'y arriver, on sort du bunker Alpha et là on est sur les rails. Ouais, on va être prudent. Ah non, on a quitté le bunker Alpha, on est allé sur le port. Voilà. Et on va vers les mines où se trouverait Irving. Voilà, il y a l'équipe, cette fameuse équipe qui est venue nous donner un coup de main contre ces infectés, je dirais, en moto. Ouais, exact. Par contre là, fais attention à toi, moi je vais recharger, il y a un explosif là. Ouais, vas-y. Ok. Je vais faire attention derrière parce que j'ai l'impression qu'on peut attaquer par derrière. Ouais, c'est possible. Alors fais attention. Dos à dos. Ah, oh, il y a des chiens. Ah, il y en a qui arrivent par derrière aussi, non? Ah non, ils sont juste là. Ok. Voilà. Aïe! Qu'est-ce qui m'attaque? Oh, t'en as encore un. Fais gaffe, il y en a un derrière toi là. Attends, je cours un peu. Voilà. Ah oui, okay. Je le vois, ça y est. Ah, tiens, tu as de la mune pour toi si tu veux. J'ai avion point vue. Parfait. Je vais recharger tout de suite. Moi aussi, c'est bon. Alors, wow. Attention, c'est derrière toi. Il y a un explosif. Lui derrière toi. Il est où celui-là? Oh, ok. Oh. Ils arrivent. Oh oui, ça c'est bien. Ah, là, il passe par derrière. Et... Bon. Je crois qu'il est mort. Ah non, pas encore. Il est où? Voilà. Et t'en as un côté aussi. Et celui-là, il est mort. Là, c'est ouh, tout bon. C'est chaud ces petits chiens là. Tu veux un peu de munitions? C'est pas des bons toutous hein. Fais attention. Oh shit, il est en train de me puncher celui-là. Et c'est un gros hein. Oh.
Y'en a un autre. Je suis vide. Par contre, je vais recharger parce que j'ai plus rien dans le fusil. Serre-toi. Ouais. Je vais reprendre des chiens, parce que les chiens sont riches ici. Je vais reprendre mon pistolet. Attention. Ouais, fais attention. C'est bon, tout va bien. Fais gaffe, y'en a là. Ah, ouais. Il a une bestiole qui sort. Oh, bien joué. Eh oui, les balles. On va peut-être aller par là, je vais voir ce qui se passe ici. Ok, il y a quelque chose là. C'est genre de chien, c'est chaud. Hein. J'ai pris un petit scarabée, je pense qu'on pourra le revendre. Tu collectionnes scarabée maintenant, toi? Ouais, un petit scarabée. C'est pour ta collection de petits bibelots? Regarde, ouais, on pourrait peut-être la mettre en collection. Il y a un gars juste là. Je le vois, ouais. Je pourrais essayer de l'avoir avec le fusil. Je peux pas l'avoir d'ici. C'est bon, t'inquiète pas, je vais l'avoir. Vas-y. Ah non, il faut que je me déplace un tout petit peu. Alors je vais monter sinon. C'est bon. Il est là. Ah, j'y arrive pas, hein. C'est bon, je suis devant lui. J'y arrive pas du tout, en fait, c'est bizarre. Ah oui, j'étais coincé par les. Il y en a un autre ici. Allez, montons. Hop là. C'est bon. Tu peux monter, je les ai eus. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai un joli fusil. Hein. Ouais, il a un joli fusil. Hein. Mais dis-moi, StarCat, où as-tu trouvé ce joli fusil? Il traînait par terre et je me suis dit, tiens, je vais le prendre. Ah oh non, mais il est bien stuffé, lui. T'es tendu, non, c'est ça? Ouais, là j'ai pris, il y avait un petit peu d'argent. Ouais, on va descendre. Par où tu descends en fait? Par là? D'accord. Ouais, par là. Alors fais attention. On va essayer de faire attention. Il y a de l'explosif là. Un petit peu aux alentours, semblerait que ce soit calme. Alors, est-ce qu'on voit encore autre chose? Bon bah écoute, je vais descendre. Vas-y, descends. Oh. Pourquoi j'arrive pas à descendre moi? Ah oui. Ok. Hop. Tu fais une explosion, c'est ça? Ouais, voilà, je te fais courir moi. Bah, donc il y avait de l'explosif. Non, mais j'ai un petit peu de cellulite, il faut que je la perde. Ouais, ça va encore, hein. Ouais. Allez, on peut descendre aussi. On est parti. Alors je suppose que là on se dirige vers les mines, hein, vers cette mine quoi. Oh, on descend dans les profondeurs obscures du néant. Ouais, je pense qu'il va faire très noir là-dedans. Ouais. Ouais, c'est bien ce que je me disais. On est. Il y a une lampe. Une lampe. C'est quoi ces bestioles? Des petites chauves-souris. Plantes vertes. J'en prends une. T'en avais toi des plantes vertes? Hein. Ouais, j'en avais. Ouais. J'en peux combiner. Attention, toi t'es full. Hein, t'as. Totalement full, ouais, malheureusement. Toi, t'es totalement full, je suis dans ton inventaire, là, du coup. Il me reste... Il y a une grenade, peut-être, que je pourrais essayer de prendre pour te la jeter sur la figure, mais je me suis dit non, même pas. Alors, toi, tu prends quoi? Tu prends la lampe? Ouais, par contre, la lampe. Niveau mun, je suis pistolet, je n'en ai plus du tout. Hein. Ah bah attends, je peux t'en passer, alors. Juste peut-être de quoi recharger. Je vais tout recharger tout de suite. Alors, donner. Ok. Voilà. Merci bien. Je vais recharger ça tout de suite. Oh. Voilà, bon, on est parti et fais attention, j'éclaire devant toi mais j'ai un peu les chocottes là j'avoue. Ouais il fait sombre là, hein. Je sais pas ce qu'il y a. On va aller doucement, je regarde que tu fais toujours derrière moi. Ouais, je suis un peu ah oui en arrière. Tu m'éclaires bien là. Fais attention à tes petits yeux, sois pas ébloui. Ouais, oh là, je te vois plus. J'ai fait exprès pour voir si tu es en compte. Donc il y a deux chemins. Ah, il y a une plante rouge là. Alors. Ok, je garde le. Est-ce que je peux la combiner? Ouais, je vais la combiner, on pourra peut-être se soigner comme ça. C'est bloqué au fond, je suppose. Voilà, ici il n'y a rien d'autre. Donc on va peut-être partir du côté là. Côté gauche, c'est parti. Je t'éclaire. Si. Alors. Je fais attention parce que du coup, il y a de l'eau. Hein. On va mettre les pieds dans l'eau. Et évidemment, je vais abîmer mes bottines. Voilà, tu vas te retrouver à nouveau en chaussettes. Les joutins à 300 euros. Oh, j'entends quelque chose. Ah, il y a quelqu'un. Ah ouais, je vois ça. Ok. Ou pas. Alors attention, il a un sale truc qui sort de la tête. Oh, je peux pas t'aider. C'est ok, bon. Je l'ai eu. C'est tout bon. Tu retouches à pompe. Ouais, pour les pas chargé. Je vais t'enfiler, StarCat. Ok, on filera plus tard. Pour l'instant, je t'éclaire. Ouais, je vais d'abord. Il y en a encore un là. Ouais. Oh. Oh. En pleine tête, joli. Oh, one shot, le pauvre. Ce sont les gens de mon pote que tu tues. Qu'est-ce que tu as, toi? Parce que toi, tu n'as rien du tout non plus. Non. Alors attends, je vais te donner les cartouches tout de suite. Recharge-toi, peut-être. Ouais.
je vais t'attendre que tu te recharges. Alors, recharge. Parce que ton fusil, il est vide. Ton fusil est vide. Ouais. À la limite, ce que tu peux peut-être faire, c'est poser la lampe ici et on va essayer de faire un nettoyage. Allez, hop là. Ramasse les munitions si tu veux. Il y en a un derrière toi. Il y avait un derrière moi. Ok. On va crever celui-là. Personne derrière moi, donc c'est bon. Ok, celui-là c'est tout bon. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce qu'il a de l'électricité? Il y a des. Plein de tonneaux derrière là. Des munes de fusil. De la munition. Peut-être que toi aussi tu devrais en prendre parce que du coup, quoi pistolet, que j'en ai plus. Bah pistolet, vas-y prends, parce que moi j'en ai plus. Ok. Vas-y prends. Et les caisses, je suppose qu'elles sont pas destructibles. Non, c'est bon. Donc tout ça, c'est bizarre. Si, si, ceux-là étaient. On pouvait les casser. Il y a des grenades flash. Mais bah vas-y, prends-les si t'as pas de place. Attends, pas. Moi je suis pareil, j'ai plus de place non plus. Ils sont vraiment terribles ces inventaires. Hein. Je vais te donner. Attends, je vais te donner carrément. Ah, je peux pas, il faut que je t'échange. Tu peux pas combiner non plus de. Sinon, je peux donner une grenade. Non, je peux pas. Sinon, utilise une petite plante verte. On va s'utiliser une petite plante verte. Ok. Comme ça, du coup, on va pouvoir prendre les. Je vais te donner les cartouches. Voilà. Voilà. Moi, je te donne les cartouches de fusil. Parfait. Et je vais prendre les grenades flash. Tu sais parler aux femmes, toi. Ouais, cartouches très bien. Cartouches de fusil. Il faut savoir que les grenades flash sont pas mal parce que tu vois, c'est parasites qui sortent en fait de la tête de ces gars. Avec une grenade flash, il me semble qu'on peut les tuer d'un coup. D'accord. Bon, bah écoute, prends au mieux que tu pourras. Hein. Bon, on met les pieds dans la flotte. Pas trop grave, il y a un rhume, donc ça va. Il fait chaud ici, c'est l'Afrique, c'est notre pays. Ouais. Et il fait noir, on voit rien du tout. Ah, on arrive sur un pont. Plus besoin, besoin du projecteur. Ouais, on va en avoir encore besoin, je pense. Attends, personne ici, c'est bon? Eh si, il y a du monde là. Ah. Ok. C'est bon, t'arrives à les faire? J'en ai envoyé une dans l'œil. J'attends. Je suis en train d'attendre derrière toi si jamais il passe. Ah, il y en a qui s'est réveillé. Ok, je vais recharger tout de suite. Ah, je vais reprendre le projecteur, attends, c'est bon. Moi je peux plus prendre. Oh, oh shit. Oh. Attention à toi. Ouais. Ok, bien joué. Il est mort. Il y a de la cartouche, tu veux. Il est pas encore mort, je crois. Si. Ouais, je vais le finir. Voilà, c'est bon. Ouais, je vais prendre la cartouche de fusil à pompe. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a, oh, c'est chaud avec toi, Christian. Celui-là aussi, c'est pour toi. Ah, oui, mais j'ai plus de place. Si, c'est bon. Si, c'est bon, j'ai plus de place. Qu'est-ce qui me reste là? Plus grand-chose. Donc, je vais peut-être reprendre la petite mitraillette. Écoute, je vais les prendre pour toi. Vas-y. Oh, j'entends du monde là. Ils sont là. Attends, une seconde. Pose le projecteur. C'est bon, tout va bien? Ouais, ça se passe bien là. Putain, mais ils en bouffent la mule. Allez. Non mais oh, faut pas déranger Chris et Shiva. Hein. Ah, de la mule pour la petite mitraillette. Alors on va peut-être déjà aller voir ce qui se passe là. Je crois que là. Attention à toi. Est-ce qu'il y a, il y a une issue sur la droite? Alors pas qu'il t'arrive dessus. Sans prévenir. Moi, par contre, est-ce que je peux te donner cela? Parce que du coup. Tu voulais prendre les munitions de pistolet, mais. Je vais jeter les deux là, tant pis, je vais les jeter. Comme ça, Come on! Je peux prendre ces munes là. Parce que Come j'ai plus de munes du tout. Je vais recharger tout de suite. Par contre, il n'y avait pas quelque chose par arcade. T'as vu, regarde là, on est à des trous là. Ouais. Je suis là, moi, Starcade. Ouais. Oui, bah, dis-moi. On va peut-être aller voir là, il y a quelque chose. Il me semble qu'il y a des tonneaux là. Ouais, et des caisses. Personne dans les environs. Personne dans les environs. Ok, ok. Il semble calme, même si j'entends des grognements quand même. Hein. Ouais, j'entends quelque chose aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Alors là, on en vient là. On en vient. On va aller par là donc. Attention, on entend un grognement très très proche. Ah, il est là, il est là, il est là. Oh, joli. Oh, le one shot. Je pense que là, le coup dans la tête a été parfait. Impeccable. attends, moi j'ai peut-être rechargé toutes mes armes. Je vois que tu profites de mes leçons de tir. Ouais. Quoique, cela, ça va. La mitraillette est pleine. Bon, alors.
qu'est-ce qui se fout. Il y a quelque chose ici. On va peut-être monter par là. Ah, il y a un crâne sur le sol. Tu es derrière moi ? Juste derrière. Ah, tu fais rouler le crâne sur le sol, c'est intéressant. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Oh, un serpent. Fais attention. Oh là ! Il est où celui-là ? Il est juste à côté, là. Hey ! Ok, un œuf. Serre-toi si tu veux l'œuf. Je suis full. Bon. Ok, alors là, c'est un petit objet qu'on pourra... Alors l'œuf sert à quoi, mon cher Chris ? L'œuf sert à se soigner, donc là je vais pas pouvoir le prendre, mais en fait ces petits œufs servent en fait tout simplement à se soigner. Ah bon ? Quand on mange un œuf, pouf, on se soigne. Voilà, quand on mange un œuf, pouf, on se soigne. Donc ouais, c'est pas mal. C'est beaucoup de vie regagnée ou quoi ? Non, je dirais pas beaucoup de vie regagnée, mais ça aide toujours. Ah ah. Bon. Là par contre, ça y est. On arrive à... Tu poses le projecteur ? Ouais, je suppose que tu vas devoir m'ouvrir le chemin, je vais y aller. D'accord. Et fais attention à toi, sois prudente. On va essayer d'être très prudent. Je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Oh, il y a une manivelle. Donc je pense que il va falloir que... Fais attention à toi, j'entends du monde. Je relâche. Oh, oh. Ouais, alors attends, il y a une manivelle ici. Donc je t'ouvre la porte. Ouais, pour l'instant je suis attaqué. Si t'arrives à passer, passe. Ouais, bon. Passe la porte, je te vois. Ils sont morts, c'est bon. Ok. Attends, je reprends les cartouches. Vas-y. Ah, il est pas mort celui-là. Tiens donc. Bon, ben il est mort. Ok. Parfait. Tu me dis quand tu es, passé. Je suis passé, c'est bon. Ok. Oh oh. Oh shit. Je sens que ça va mal se passer cette histoire. Là il y a du monde. Alors on va se planquer, fais attention derrière toi. Ok. On se planque. On attend qu'ils arrivent. Ouais, on va les attendre là, je pense. Là, il y en a qui sortent de là, de cette petite grotte. Moi je peux peut-être m'équiper de grenades si jamais il y en a qui ont... Et de 1 et de 2. Ah, le fusil est très efficace. Ouais, il est pas mal, hein. Oui, mais vous êtes bien équipé, mon cher. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai vu un fusil par terre qui traînait. Ouais, il y en a qui descendent d'ici, tu vois. Ouais, le fusil est vraiment très efficace, hein. Alors, oh, par contre, la créature là, elle est méchante, je pense. Très très efficace, ok. Ce fusil. Celui-là, je l'ai eu. Attention, attention. Charge le fusil. C'est bon, tu arrives. Ok. Finalement, je vais aller chercher de la mune. Il y a de la mune partout. Bon, j'ai pas trop. Attention, il est juste devant vas-y, toi. Vas-y. C'est bon, je l'ai eu. Par contre, il y en a un en haut là. Je vais essayer de l'avoir. Là, il est mort. Celui-là en haut là. Ah, il m'envoie un truc. Des cartouches. Oh, il envoie de la dynamite. Le petit coquin. On va les aveugler un peu et je vais aller me. Des munes. C'est bon, je les ai eu tous les deux, c'est qu'on lance la dynamite. Là-bas, celui qui est là-bas. Voilà. Et le on ramasse tout ce qu'il y a. Voilà. Bien, bon bah écoute, tiens, t'as des munes pour toi de fusil encore là. Bah en fait, ce fusil, en fait, tu vois, j'avais un fusil à verrou. Et bah, oui. J'ai amélioré avec toutes mes compétences magnifiques de faiseuse d'armes, voilà. Très bien. D'armurerie. Tiens, prends des. Il y a des munes de pistolet. Je les laisse. Voilà. Parfait. Et ben du coup on va pouvoir monter. Ouais en fait le fusil à verrou aussi était très bien pour ça, hein, je pense, hein, pour. D'accord. Mais il est sympa celui que t'as. Ouais. Après les dames. Bien sûr. Parce que j'ai un gros fusil. Voilà, tout à fait. Allez, on change d'arme. On va dire qu'il y a des munitions de fusil. Il y a au fond il y a un truc. Ouais. Deux. Il y a des tonnes. Deux tonnes. Un peu d'argent. Cartouche de pompe, parfait pour moi. Qu'est-ce qui sert toi ? Bon, on va peut-être passer là. Tout nettoyer en fait. Hein. Ouais, du coup, c'est assez propre hein, maintenant. Hein. Ouais, le fusil. Grâce au fusil, en fait, je pouvais tirer à distance sur tous ceux qui étaient à distance. C'est d'accord. Bon, je t'attends, je suis ici. Ah oui, d'accord. Sur ce niveau-là, il n'y avait rien.
Non, on peut monter. Ok, allez, je passe la première parce que je fais l'éclaireuse. L'éclaireuse. Là, tiens, je vais prendre des munitions de pistolet. L'herbe verte, on peut pas la prendre. Il y a une plante verte. Je peux pas la prendre. Ah, on peut pas la prendre. Qu'est-ce qu'il nous reste en... Par contre, j'ai pris un sacré coup de pelle tout à l'heure. Ça fait marrant. J'ai pris un sacré coup de pelle. Ouais, s'il y a trois infectés qui sont tombés dessus pendant que tu levais la porte de côté. D'accord. Tiens, je vais t'échanger par contre. Que tu pourras me redonner à la limite après. Je vais t'échanger tout simplement mon soin contre ta grenade. Roquette, donc. Je m'approche, non? Ouais, moi je veux bien ta grenade. Vas-y, échange. C'est ce que tu veux. Vas-y, c'est à toi de... Je t'ai fait la demande, en fait. Alors, attends. C'est quoi pour faire la... Alors, attends, je vais te refaire la demande. Échange contre la grenade. Et le échange, c'est sur quoi, déjà? Je me souviens plus. Donc, voilà. Toi, tu as juste à me donner ta grenade, du coup. Voilà, comme ça, je te donne mon soin pour le moment. Et merci bien. Je regarde, change quand même le soin de place, parce que... Alors... C'est encore de la mune. Alors, combiné, équipé, jeté... Bah non, je peux pas. Donc, ce sera 4 et 6 pour le... Bon, on essaiera de la récupérer après, si jamais on avait besoin d'en utiliser. Donc, il y a encore quelque chose ici, il y a une petite caisse. Je cours. Ouais. Ok, un peu d'argent. Tu vas trop vite, Il y avait juste un petit peu d'argent. Des petites jambes, on se rend pas compte. Bon, je muscle un petit mollet là, c'est bien. Voilà. Alors fais attention peut-être ici. Ouais. Ok, il y en a un là. Je vois. Là, il arrive à la dynamite celui-là. On l'a eu tous les deux, là. C'est bon. Ah, non. Oh, ouais. Il y a une chose là. Je vais prendre le pistolet, moi. Voilà, okay. Parfait. Je vais essayer d'économiser un peu. C'est vraiment dégoûtant, Chris, ces petits parasites là. Ouais. Franchement, je sais pas. Je pense qu'ils ont trouvé leur maquilleur quelque part ici. Parce que, ils sont un peu bizarres, hein, ceux-là, hein, mine de rien, avec leur. Bah, en fait, ils sont un peu développés par rapport à ceux qui sont. Attention. Alors là, par derrière, il n'y a rien. Je vais peut-être m'équiper. Parce que là, je vois que. Il y a du monde. Oh shit, attention, j'ai mal envoyé la grenade. Pas grave. Attends, c'est bon. J'ai rien eu. Oh! Oh, l'enfoiré, la grenade. Ils m'ont envoyé une dynamite, alors fais attention, ouais. Ils ont envoyé de la dynamite. Celui-là là-bas. Hop, ok. Oh là, attention. Il y a plus. Voilà. Ouais, bien joué. Du coup, la grenade, je l'ai mal envoyée. Non, pas encore. Ok. Parfait. Eh ben écoute, reste là. On va peut-être. Je vais peut-être aller récupérer le soin. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est quoi ça? Une grenade. Donc non, je vais plutôt aller récupérer le soin. Vas-y, ouais, je vais avancer un petit peu ici. Je reste là, c'est bon. Ok. J'ai plus personne de toute façon. Ça une roule. Grenade incendiaire pour toi si tu veux. Ouais, je vais déjà aller chercher le soin parce que du coup, vu le... Moi j'ai perdu pas beaucoup de vie, mais bon, autant se soigner. Mais c'est la... Ah oui, non, c'est la... C'est la barre de dynamite qui t'a envoyé dessus en fait, qui t'a fait perdre. Oui, il m'a acheté de la dynamite dessus du coup. Oh, le petit galopin. Ah, t'as vu ça? Tu as vu ça? Ouais, j'attends en haut. Près de l'ascenseur. Alors viens, on va se soigner avec celle-là. Alors, on va l'utiliser. Vas-y. Voilà. J'adore les sprays soignants quoi, c'est vraiment déodorant. Ah ouais, c'est un petit coup de pchit. Ouais. On sort de la mine alors en même temps, ça fait pas de mal. J'ai l'impression. Et bon, on est parti pour remonter du coup. Hein. Bon bah, hop. Allez. Il faut être deux pour appuyer sur le bouton quand même. Et voilà. C'est magnifique. Ok. Bon, oh. on est à la surface. Hein. J'ai envie de dire, ouais. On est à la surface. On est où là? Ok. Donc on voit le jour. On est sorti de cette mine. Enfin, oui. Le jour, mais un jour un peu glauque quand même. Hein. Voilà. Très jaune. Jaune Afrique. Il y a encore des petites choses. Par contre, moi, je peux pas les prendre. Attends, je vais voir. Non, je suis plein, mais pourquoi je suis plein en fait? J'ai deux cartouches de pistolet, peut-être tirer avec le pistolet, deux fois, ouais. Recharger. Normalement, ça ne changera rien. Non, ça ne changera rien non plus. Ah mince, c'est des cartouches à pompe que j'ai tiré. Je vais jeter la grenade, moi. Voilà. Ok, prends-la, c'est bon. On va prendre ça. Et là, t'as des munitions. Bien, point de vue. Parfait pour le fusil en plus, c'est nickel. Et puis, ben, moi, je te proposerai de nous arrêter ici. Ouais. Hein, pour cet épisode, il y avait pas mal d'action du coup. Bah, on a traversé la mine, hein, donc on a traversé la mine.
C'était un peu flippant quand même. Ouais, c'est vrai, on voyait pas grand chose du coup. Hein. Eh ben, on espère que ce petit épisode vous a plu. Likez si vous avez aimé. Laissez un petit commentaire. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Allez, un bisou, Chris. Allez. Et puis partagez, c'est très important de partager. Oui, partagez, likez, faites ce que vous voulez. Et surtout, bah, voilà. J'espère que vous êtes bien amusés. Ici Starcade, le deuxième hôte, parce que le premier c'est bien sûr Flappy. Et arrête de t'enfuir. Oh. Et bon, bisous. Je veux mon bisou. Allez, allez, allez voir sur la chaîne de Starcade. Ouais. Allez voir sa vue. Je vous invite à aller sur sa chaîne. Eh ben, on se dit à très bientôt. À très bientôt tout le monde. Ciao, ciao. À très bientôt. Portez-vous bien. Allez, bye.